ce début de nouvelle année, je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les membres du club Cotonou Elite, souhaiter à chacun de vous une année lumineuse et féconde, faite prioritairement de bonne santé et qui voit se réaliser vos vœux les plus chers. Vous, amoureux de l'art oratoire, vous qui aspirez à devenir des communicateurs et des leaders efficaces, merci de participer à notre 6e session de formation de la mandature 2019-2020 que je déclare ouverte. Il s'agira de compter toutes les fois où nous aurons hésité, toutes les fois où nous servirons d'une béquille pour soutenir le français, toutes les fois où vous direz « ah » ou encore vous ferez usage d'un long silence, ou toutes les fois où il y aurait des bruits qui pourraient perturber la séance. Et quand vous me demanderez, monsieur l'évaluateur général, je vous rendrai mon rapport. Masters, ou je gagne plutôt Atos Masters en assurance. Il m'aurait été difficile auparavant de pouvoir me tenir devant vous pour vous dire un mot. Atos Masters, j'apprends à mieux m'organiser. J'arrive à mieux faire preuve d'écoute attentive et je m'applique à également donner des évaluations constructives aux autres sur tous les plans. Il m'était difficile auparavant de pouvoir, en voulant reprocher peut-être quelque chose à celle qui travaille avec moi à la maison, de le dire d'une certaine façon pour ne pas choquer. Mais avec Toastmasters et les retours sur les évaluations, j'arrive aujourd'hui à mieux apprécier ce que les autres font. Et même si je n'apprécie pas, j'arrive à trouver les mots pour le leur dire sans pour autant choquer. Avant, je vivais avec la crainte du qu'en dira-t-on, le souci de plaire aux autres et la peur du lendemain. Aujourd'hui, j'apprends à faire les choses selon mes goûts et mes convictions. J'ai beaucoup mûri. J'ai gagné en confiance. J'ai appris à toujours croire en un lendemain meilleur. Et j'ai surtout compris qu'il n'y a pas de nuit aussi noire qui ne soit suivie d'un matin clair. S'il y a un adjectif pour qualifier cette nouvelle personne que je suis devenue, c'est le mot miracle. J'aspire à me perfectionner davantage. Je veux séduire mon auditoire. Avoir leur entière attention, communiquer librement avec passion, devant un public sans pour autant les ennuyer. Et c'est ma principale motivation pour être avec vous, entouré de vrais communicants et de leaders en devenir. Passionné des voyages dès mon plus jeune âge, je veux explorer le monde, non pour le plaisir, mais pour montrer le précieux produit que Toastmaster a fait de moi. Je vous remercie. A eu 6 hésitations, dont 3 E et 1 répétition. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport tout en précisant au Toastmaster
que le but de cet exercice n'est pas de les décourager, mais je leur recommande de faire preuve de résilience. Merci. La pensée du jour dit ceci, et elle est de Voltaire. Le succès dépend de trois choses, le talent, le travail et la chance. Le talent, chacune des personnes présentes ici en a. Le travail, c'est justement la raison de notre présence ici. La chance, c'est bien elle qui nous a permis de nous connaître et de connaître le mouvement Toastmaster qui nous rassemble tous en ce moment-ci. C'est dire donc qu'assurément, nous sommes sur le chemin du succès. Le succès que je souhaite à chacun d'en atteindre des objectifs fixés au début de mon nature, de la mandature. C'est donc sur cette note d'espoir que je clôt la présente session de formation de notre cher club Cotonou Elite Toastmaster.